On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer les swaps échangés lors d'un stage d'avril 2019. Alors déjà, je vais remercier Cindy, Aurélie et Audrey pour leur aide pour la distribution de mes swaps. Parce que comme j'étais bénévole à l'enregistrement, si j'avais dû attendre pour les échanger, bah en fait, voilà, il y avait 90% des gens avaient déjà tout échangé. Donc je voulais déjà voilà, les remercier. J'en ai échangé quelques-uns. Voilà, j'avais gardé aussi quelques-uns pour des personnes voilà, que je connais, alors pas au quotidien, mais que je suis, que ce soit YouTube ou Facebook, très régulièrement et avec qui je voulais vraiment, vraiment échanger. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Mais il y aura une autre vidéo, alors je ne sais pas si elle est avant ou après. Où je vous parle de ce que j'ai eu à Stampin' Up et quelques photos. Donc ça, voilà, c'est le nouveau catalogue. Je peux vous le dire, c'est une tuerie. Je préfère vous le dire. Alors, il me reste trois petites choses comme ça. C'était donc mes swaps. Je ne les ai pas tous, donc, tous distribués. Je vous mets mon mail en barre d'infos. Et celles qui veulent en recevoir m'envoie un petit message avec leur adresse et quand je rentrerai de vacances, je vous posterai ça. Donc voilà. C'est mes petits crayons papillons. Allez, on découvre ce que j'ai eu. Vous voyez tout ça. Parce qu'en fait, j'ai quasiment rien vu. Alors on va commencer par le premier. Voilà, vous allez vous dire, c'est normal que ce soit ta première découverte. C'est une personne que je suis sur YouTube depuis pas mal, quelques années quand même, que j'adore, que je rêvais de rencontrer, que j'ai rencontré on stage, et j'en suis vraiment plus que ravie. Et c'est donc Couleur Papier. Voilà, c'est Sophie de la chaîne Couleur Papier. Je suis une très très grande fan. J'étais très intimidée de la rencontrer. C'est vraiment une très belle personne. Donc voilà, elle a fait une petite boîte. Donc je l'ouvre pas, hein, je prends. Mais il y a quelque chose dedans. C'est très lourd. Voilà. Avec une petite théière comme ça, c'est très classe. Ça la représente bien, c'est très classe. Oui, donc j'ai les mains un peu pleines d'encre. Désolée. Alors ça, je sais de qui c'est, même s'il n'y a pas son nom. Ah, si, il y a son nom. C'est Pauline. Je l'ai rencontrée on stage novembre l'année dernière. J'adore son peps, j'adore Pauline, c'est une démonstratrice alsacienne, donc c'est peut-être ce qui nous a un petit peu rapprochés. Et donc voilà sa belle boîte. Elle est vraiment très très belle. Je n'ose même pas l'ouvrir pour dire, j'ai peur, j'ai eu du mal, j'ai peur de casser. Et il y a des chocolats dedans. Vraiment un pliage magnifique. Donc sur Facebook, Sun is Scrapping. Voilà. S'il y a des noms comme ça, Facebook ou YouTube, je vous les donnerai. Ensuite, oh miam miam. Des chocolats dans comme un sac à main. Il n'y a pas de. Oh, il n'y a pas de nom. Petit sac à main avec les chocolats. Ça, c'était sur ma table, donc à mon avis, ça fait partie de ma lignée. C'est ce qu'on m'a échangé sur ma table. Ça fait partie de ma lignée. Mais je ne sais pas à quel défi. Donc si elles regardent ma vidéo, parce qu'elles ne regardent pas toutes YouTube, elles mettront en commentaire qui c'est. L'atelier de Fanny, démonstratrice Stampin' Up. Donc je pense que beaucoup la connaît. Alors, elle a un blog, l'atelier de Fanny 25 sur blogspot.fr. Elle est magnifique sa boîte. Vous avez vu le tamponnage? Elle est vraiment magnifique. Et sa carte est vraiment sublime. Merci Fanny. Parce qu'en même temps, je vous dis merci parce que c'est quasiment pas moi qui ai changé. Une superbe carte embossée. Oui. C'est le moment de se faire plaisir. Une belle carte de Sandrine. Alors, Sandrine a confirmé, parce qu'il y a le nom de famille, donc je ne vais pas le montrer, a confirmé si c'est samedi, peut-être sur YouTube, elle nous dira en commentaire si elle aime ma vidéo. Alors ça, c'est Coralie, c'est un mug, on stage avril 2019, de Maligny. Voilà, donc elle a customisé un mug.
Génial. Mettre sur mon bureau, ça. Alors, ça, c'est de Nathalie. Vous voyez, c'est un petit panier. Un petit panier lapin. Donc, c'est Nathalie, créa de Mamouchka sur Overblog. Alors, j'adore les Kinder. Les enfants vont être aux anges. Hein. C'est encore plus gourmand qu'à Noël. Ça, c'est ma marraine. Voilà, Aurélie, qui a une page Facebook et sinon qui est sur creatoon.com, son adresse. Aurélie, démo Stampin' Up! Oise sur Facebook. Un petit stylo lapin. Chat, n'importe quoi. Oh, fatigué, pays. Une petite surprise avec un petit lapin. Ah, je ne sais pas de qui c'est. Avec des bonbons. Haribo. Ah, quand il n'y a pas d'étiquette. Ah là là là. Mais si les filles, il y en a qui passent par là, dites-moi en commentaire. Alors ça, c'est génial. Que votre jardin soit rempli de fleurs de bonheur. Vous avez vu? C'est pour semer. Fait main juste pour vous. Ah, c'est pareil, il n'y a pas de nom. Ça, c'est une idée super sympa. Il y avait des trucs, franchement... Oh là là, mon papier que j'adore. Alors, Grégory. Du 85. J'ai juste son adresse mail. Fabriqué avec amour. Une belle boîte. Elle est magnifique. Vous avez vu? Elle est superbe. Je pioche. Ouh, une belle boîte. Avec un dies magnifique, celui-là je l'adore. Amitié, c'est une belle boîte, il n'y a pas de nom. Un cadre on stage, alors ça c'est Steffi Scrap sur Facebook, Steffi Scrap, et elle est, elle fait partie de ma lignée, donc c'est un cadre en fait, on peut mettre une petite photo, c'est vraiment super mignon. J'ai ma table qui va être pleine, pleine, pleine. Oh, c'est mignon. Parce que je découvre. Il y a des choses que je découvre, des choses non. Une petite surprise. Regardez le petit stabilo. C'est trop mignon. Alors, de Sandra. Elle n'a pas mis ni de Facebook, ni de YouTube. C'est trop, trop mignon. Ah, voilà. Ça, c'est spécialement pour moi. Il y a mon prénom dessus. De pays. Et c'est donc Nadia. Nadia qui... Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, je vais regarder si elle a... Non, je vais regarder au cas où elle avait une... Elle est sur, sur Facebook. Elle fait partie de mes abonnements. Fabriquée avec amour. Il n'y a pas de nom. C'est un petit chocolat. Ah, ici, ici, j'ai trouvé le nom. Hop, je vais mettre juste... Oups. Ça veut ou ça veut pas. Donc, c'est la petite manchoise du scrap. Caro, caro, blogspot.fr. Caro avec un K. Si vous voulez... Si vous avez du mal à retenir les noms de Facebook, de blog ou de YouTube, de chaîne YouTube, vous me redites, je vous redirai. Vous me dites quel produit c'est. Donc là, c'est pareil, c'est une super mignonne petite boîte qui s'ouvre. L'étincelle créative. Le choix du papier est vraiment très, 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 très beau. Cécile, démo Stampin' Up. Super original. C'est des boîtes un peu comme ça, mais c'est vraiment très très mignon. Avec ça, ça fait génial en fait. Fermeture. Je vais pas regarder ce qu'il y a dedans parce que je veux pas abîmer. Une belle boîte, elle est super belle, vous avez vu? De Annick. Donc c'est au Waha Scrap.
wahascrap.blogspot.com. Et le focus ne veut pas se faire. C'est parce que j'ai mes mains. Ah, j'adore ce papier. Il y a un petit scratch. Waouh, petit papier à la volée, @gmail.com. Mini fluo et un post-it, c'est super original, c'est top. Waouh. Vous avez vu l'intérieur. Au fil du scrap. J'adore, j'adore, j'adore. Ah là. J'ai perdu l'accessoire qui allait dessus. Voilà. Avec le petit bonbon. C'est trop mignon. Ah oui, d'accord. C'est une carte qui est souple. Le fil est vraiment très, 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 très beau. Ah, c'est génial. Elle met même le matériel et tout. Caroline Gaillot. La fée des cartes sur YouTube et Facebook. La fée des cartes. Donc elle aussi, elle est sur YouTube. Ça aussi, c'est super mignon, les couleurs, vraiment. Les filles sont... Alors ça, c'est Laure. Je l'ai rencontrée à Paris l'année dernière à On Stage. C'est pareil, c'est une Alsacienne super sympa. Sa carte est vraiment très très belle. Elle fait vraiment... Je la trouve très classe. Alors là, c'est emballé. C'est en fait un photophore pour mettre avec la bougie. Vous voyez, passe une superbe journée. C'est Angie Créalib. Il y a un blog Angie Créalib. Sur blog. Oh, j'arrive pas à lire. Sur quoi? Blogspot. Et sur Facebook, Angie Créalib. Très 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 beau. Allez, la carte toute mignonne. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. De Céline. Is, donc elle, je l'ai rencontrée, je l'ai vue. Et son adresse, son site, les petites créations de Céline.com. Les petites créations de Céline.com. C'est génial. En plus, elle a l'air d'avoir un bel hôtel où on peut aller scraper. Ah, c'est cool ça. Un labello. Avec une boîte comme ça. Julie. Alors, je l'ai rencontrée. C'est moi qui fais son enregistrement le matin. Son nom de famille me dit quelque chose. Et sa lettre faisait partie de les personnes que je voyais le matin. Ça, c'est un petit panier de Pâques. Avec spéculoos à l'intérieur. Une tuerie. Stampinlove.canalblog.com pour aller voir ce qu'elle fait. Elle doit faire des jolies choses juste pour toi. Tout petit. Alors ça, c'est du pliage. Elle a dû bien s'amuser. C'est Sophie. Hop, une boîte. La vie est plus belle avec des amis comme vous. Avec la petite boîte. C'est génial. Ah, il n'y a pas son nom, c'est dommage. Et franchement, je suis... j'adore, j'adore, j'adore. Hop, la petite carte lapin, le petit thé vert, Manglichi. Profite de ta journée. Il n'y a pas de carte. Non. Dommage. Alors, ça, c'est ma grande, grande marraine. Quelle démonstratrice sans sas. On va garder l'étiquette et on va manger le reste. C'est génial. Un mug avec des cuillères en chocolat. Et elle a fait l'étiquette. C'est magnifique. Merci. Alors ça, c'est Françoise. C'est ma grande, grande des marraines. C'est la marraine de ma marraine, en fait. Et elle a un blog, stampfrançoise.overblog.com. Elle est aussi sur
Le petit, il y avait un petit papillon, parce que j'ai vu un petit papillon. À mon avis c'était peut-être avec. Elle est aussi sur Facebook. Alors ça c'est... Bah j'en ai deux. Je crois que j'ai deux fois avec la même... Oui. Donc ça c'est moi qui ai swappé. Et ça c'est ma collègue qui a swappé. Voilà. Toujours de stampinlove.canalblog. Ça c'est moi qui ai choisi parce qu'en fait on a fait ensemble l'ouverture. C'est mignon. Regardez pour Pâques. Il y avait beaucoup de choses à faire Pâques. Ouais. C'est trop mignon. Et ça c'est Chantal. Coccinelle Scrap. Ah oui, elle est très très connue. Coccinelle Scrap. YouTube, Coccinelle Scrap. Facebook, Coccinelle Scrap. Vous pouvez la retrouver sur YouTube ou sur Facebook. Ça, c'est sûr, c'est Cindy qui me l'a swappé parce que Cindy est très très fan de Coccinelle Scrap. Donc ça, c'est sûr. Une petite carte avec deux petits chocolats comme ça, toute mignonne. Un petit seau pour dire bonjour. Caro Création. Voilà, de Caro Création. Merci Caro. Alors j'ai des œufs qui traînent. Alors il y a un panier qui a dû s'ouvrir. Un sac à main. La classe. De Sylvie. Alors Sylvie, c'est pareil. Elle était l'enregistrement avec moi. Atelier papier. Au pluriel. Canalblog.com. Avec un petit scratch. Et un bounty, j'adore ça. Non, je ne suis pas du tout gourmande. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Un grand sac à main, et donc avec plus de gourmandise encore. Le papier, j'adore. C'est les couleurs comme j'aime. Avec un lion. De Huguette, démonstratrice. Le scrap et moi. Le scrap et moi sur Facebook. Le scrap et moi. Voilà, j'adore. Une superbe carte. Quelle belle journée. Moi, je n'ai pas fait de carte parce que c'est ce que je fais toute l'année. Donc, j'ai voulu de Daniel. De Daniel. Elle fait de carte et scrap. Et patch, je crois aussi. Florence. On n'a pas mis de nom de chaîne ni de... Trop mignon avec... Hop. Chocolat. Une belle boîte encore. Surprise. Mais je peux ouvrir, mais à mon avis, c'est du chocolat. Avec le petit... Là, on dirait un lapin, un lapin, un lapin. Et ça, c'est avec la perfo Marguerite. Super mignon. Oh, la petite girafe. Avec marqué bisou. De Rachel... Avec un chocolat. Voilà. On est vraiment gâtés. Hein. C'est on stage. Ah, regardez, c'est un petit fluo. Trop beau. Ton sur ton. Comme ça, c'est vraiment très très beau. De Delphine. Super beau. Hop. Juste pour toi. Il n'y a pas de nom. Trop mignon. Donc dedans, il y a un chocolat. Petit lapin avec un cadeau. De Dorothée. Trop, trop mignon. Créativité toujours, ménage un de ces jours. J'adore ce tampon-là, je l'adore. Donc c'est une carte, vous voyez. Hop. Très mignonne. Oh, il n'y a pas le nom. Ah, après j'en ai un, mais je ne sais pas du coup sur lequel il était. De Christelle Mendelssohn. Facebook, Coccinelle Demoiselle. Et Instagram, Coccinelle Demoiselle. Et du coup, je ne sais pas avec quoi il était. Je suis déçue. Que la vie déborde de moments heureux. Regardez, l'intérieur et l'extérieur. Vraiment très très beau. De Florian. Et sur Facebook, les petites mains de Flo.
Fabienne, le blog de fabistampinerie.canalblog.com. Là, il y a les petites étiquettes qui sortent, et là aussi, il y a une petite étiquette qui sort. C'est vraiment très très joli. On arrive à la fin, je vous le dis. Ça va aller. Surprise! Ah oui, d'accord. Pardon, petit lapin. Et hop. Avec une petite infusion. C'est super mignon. C'est très original. J'ai échoué. Tu es le meilleur. Ah, avec un petit rondin de bois, vous voyez. Ah, suspendre comme ça. C'est trop mignon. Tu es le meilleur. Bonne fête des pères. C'est trop mignon. Un petit carré de chocolat pour toi. De Florence sur captainflow.canalblog.com. Hop là. Ah, ça doit être avec les brochots, ça c'est vraiment très 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 beau. Vous avez vu? Hop. De Sandrine sur Facebook, les petits papiers de Sandrine. C'est trop mignon. Oh, il n'y a pas de nom. Oh, c'est trop mignon. Ah, si, de Adeline. Quand je vous dis qu'à la fin, pas tout à fait. Seul on vit, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est un tampon que j'adore aussi. Scrap de Moni. Voilà. Allez. Alors là, c'est Monique. Ça, c'est de Monique. Vous voyez, c'est du plastique fou. Monique. Des bonbons dedans. Oh, c'est mignon. Ça, c'est Marie. Ma scraperie. Ma scraperie. Oh, attendez, hop. Il veut ou il veut pas. Ma scraperie. Un marque-page. Les papillons sont à la mode. Une belle boîte aussi comme ça de Nathalie. Avec un scratch. Ah, ça, ça rappelle mon enfance. Bonbon comme ça. Alors, j'ai un papillon qui est tout seul. Donc, est-ce que c'était... avec ma marraine peut-être. Ça c'est Ingrid. Est-ce qu'il y a quelque chose? Hop, vous voyez. Avec la petite pince à linge. Toute mignonne. Oh, regardez le petit lapin avec un chocolat dedans. Vous voyez, trop mignon avec la petite petite queue de lapin. Que ta journée soit mémorable. Elle est très très belle. Les taches comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Et c'est de Karine. Alors, Karine, elle est très connue sur Facebook. C'est Karine Waterloo. C'est aussi une grande démonstratrice. Enfin, de toute façon, tout le monde l'est. Mais elle est très connue. Et dedans, il me reste un chocolat qui est tombé de quelque part. Mais vous inquiétez pas, il sera mangé. Donc, je vais vraiment vous remercier les filles. Et puis, donc voilà, vous avez vu, j'étais un tout petit peu gâtée, énormément. Et je remercie encore les filles de m'avoir aidé à scraper pour que je puisse avoir plein de souvenirs et... plein d'idées et voilà, découvrir des gens, parce que quand il y a les adresses et tout ça, c'est vrai que j'aime bien les voir. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à très vite en vidéo. Tchuss!